12e visite. Seigneur, à côté de vous, auprès de ce Saint-Sacrement, je trouve déjà mon paradis sur la terre et je m'y sens parfaitement bien. Je m'y sens rassasié d'amour, à pleine brassée, et mon cœur semble y couler comme une source d'eau vive. Oui, par vagues successives, ce bonheur coule en moi. Oh, je voudrais tant le transmettre autour de moi. Je vous ai si longtemps cherché, et c'est vous qui, dès à présent, m'avez trouvé. Mon âme a enfin trouvé son but, et c'est vous, Seigneur. Mais dans cette vallée, je ne vois que des larmes et des hommes qui se flattent pour obtenir des faveurs, mais ici, je vois le roi de l'univers et personne ne vient pour le voir. Quand je pense que l'on peut vous voir sans prendre rendez-vous et sans aucun rond de jambe, et je vois vos belles mains pleines de richesses immenses et éternelles, je vous vois maintenant prêt à nous les distribuer. Mon cœur se réjouit et je pleure de bonheur comme les pèlerins d'Emmaüs. Je vous en prie, Seigneur, regardez-moi et gardez-moi. Je viens et je ne vous crains plus. Brûlez en moi à tout jamais tout désir contraire à votre volonté ou à celle de votre Père des cieux. Ainsi soit-il. Se laisser emporter juste par l'Esprit Saint, se laisser emmener là où il le voudra, voilà le seul voyage qu'ont fait les plus grands saints, en regardant Marie qui leur ouvrait les bras, et ils ont partagé au milieu de leurs frères tous les dons de l'Esprit que Jésus leur donnait. Et c'était cet amour, leur seul bonheur sur terre, par la contemplation, leur orgueil se brisait. Repose-toi en moi pour toutes tes décisions. Regarde dans mon cœur et recherche l'union. Repose-toi en moi, j'ai toutes les solutions. Retire-toi en moi dans la contemplation. Pour que la grâce passe, se soumettre à Jésus, refouler nos jugements et nos indiscrétions, réduire nos passions pour chercher la vertu, en allant effacer toutes nos suspicions. Brûler toutes nos souffrances et nos fautes intérieures, nos manques de charité, nos indélicatesses, dans la fournaise d'amour du très saint Sacré-Cœur, et se laisser aimer en allant à la messe. Repose-toi en moi pour toutes tes décisions. Regarde dans mon cœur et recherche l'union. Repose-toi en moi,
j'ai toutes tes solutions. Retire-toi en moi, dans la contemplation. Le Père nous a créés pour que nous soyons deux. Dans son monde d'amour, vivent les amoureux. Et il n'a pas voulu nous laisser seuls à deux. Il nous a envoyés Jésus, le Fils de Dieu. Il ne faut que l'amour pour être heureux à deux. Avec un peu de joie pour réchauffer nos cœurs, pour que la paix s'installe toujours. Être amoureux, il ne faut que l'amour pour vivre notre bonheur, toujours à deux. J'ai vu dans la nature tant et tant d'amoureux qui s'aimait d'amour tendre et souvent merveilleux. Pour vivre au paradis, soyons toujours joyeux, sans plus jamais vieillir, nous serons tous les deux. Car le Père nous observe, c'est un grand amoureux, et il ne vient chez nous que si nous sommes heureux. L'esprit ne descend pas chez tous les orgueilleux, il préfère rester avec les amoureux. Toujours à deux. C'est la reine des reines qui gouverne au ciel. Dans son doux paradis, il n'y a que des merveilles. Elle les fait visiter à tous les gens qui l'aiment, et sur son territoire, il n'y a plus de problème. Pour une vie à deux, certains donneraient tout. J'en connais quelques-uns, parfois je pense à vous, qui voulez une vie au bonheur si parfait, si glorieux et si sage, on ne le trouve jamais, même pas à deux. Le Père a tout créé par son amour pour nous. Il nous veut tous à deux pour toute sa création.
Mais moi, pour être à deux, il ne manque que vous. Je vous aimerai toujours avec la même passion. Quand nous serons à deux.